ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie, qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras-la-casquette. De toute façon, on est là et on le fait. Après les blablabla, le ras-le-bol. Parlons franchement, le bashing des JO, c'est devenu un jeu d'enfant. Et franchement, faut le dire, le gouvernement et les organisateurs s'en chargent très bien tout seuls. Anne Hidalgo enchaîne les déclarations infantiles. Surtout quand on remet en cause la gestion catastrophique des Jeux Olympiques. Elle trouve encore le moyen de critiquer les Franciliens qui, en plus des problèmes de transport en commun, de saleté de Paris, de l'augmentation des tarifs, des restrictions de circulation sous QR code, des embouteillages, des travaux, des étudiants virés de leur logement, des SDF déplacés et des problèmes environnementaux, ça fait beaucoup, en ont vraiment ras-le-bol pour le coup. Elle a dû répéter sa phrase au moins 3 fois pour obtenir des maigres applaudissements. C'est révélateur. Si la préparation des JO se passe mal, c'est entièrement de sa faute et des décisions autoritaires du gouvernement. Si ces JO deviennent les pires de l'histoire, un fiasco sans nom, ce sera de leur faute à eux et à eux seuls. Personne de sensé ne veut que ces JO deviennent un fiasco, ni que la France soit humiliée. Mais si elle arrêtait de prendre de mauvaises décisions, il y aurait alors là beaucoup moins de critiques. Non mais bon courage à nous, parce que les milliards d'euros dépensés pour ces JO, on va nous demander de les rembourser. Je pense que c'est Hidalgo qui joue avec les Parisiens, Macron qui joue avec la France. Ce sont leurs décisions arbitraires qui ont brisé la confiance du peuple. Faut le dire, ras-le-bol de cette gestion chaotique. Il est temps de se ressaisir et de respecter les citoyens. La France mérite mieux. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.